Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici, notre Père, quand Dieu la tradition, que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fait, mon vie. Ici, notre Père, quand Dieu la tradition. Avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne, Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune nouvelle vidéo et surtout, abonnez-vous. Et vous connaissez déjà le petit slogan, prenez votre petit carnet et écrivez. La chaîne Soka pour les femmes, c'est vrai que les gens me disent oui, mais mettre et les autres chaînes. Mais chaque chose vient. Je fais les choses, réfléchis et je fais rien sans consulter sur ce que je fais dans ma vie. Je consulte dessus. Donc, messieurs, j'allais dire toujours que oui, mais mettre P, mais c'est parce que je vous ai dit d'aller vous abonner là-bas. Abonnez-vous sous Sciences Occultes et Soka pour les hommes. Abonnez-vous massivement là-bas. Je sais pourquoi je vous le dis. Parce que les femmes, elles s'abonnent. C'est vrai, il y a beaucoup d'hommes aussi parce qu'il y a 40% d'hommes et 60% de femmes qui sont sur la chaîne Soka pour les femmes. Et maintenant, c'est monté pratiquement à presque moitié. Il y a 55% de femmes qui sont abonnées sur la chaîne Soka pour les femmes et il y a 45% d'hommes. Vous expliquez ça comment? Donc, ça veut dire que les hommes sont en train de pratiquement bientôt dépasser les femmes sur la propre chaîne des femmes. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, messieurs, abonnez-vous sur votre chaîne. Mesdames aussi, allez vous abonner sur la chaîne Soka pour les hommes et Sciences Occultes massivement. Parce que c'est important. Parce que quand je vais commencer à donner des recettes de l'autre côté, et je vous ai toujours dit une chose, je vous le répète, je ne fais pas YouTube pour longtemps. Je ne fais pas ça pour longtemps. Donc, c'est pour. Vous avez été prévenu depuis, je vous l'ai dit dès le départ. C'est pas pour longtemps. Donc, le jour que je vais vous dire que j'arrête, ça sera terminé et les chaînes sont fermées. Après, vous allez dire que oui, mais bon, les Westet, ils auraient pu. Mais oui, mais écoutez, je ne vais pas passer mon temps à parler pour des gens que je vous dis d'aller vous abonner là-bas et que vous ne vous abonnez pas. Je n'ai pas que ça à faire. Je le fais avec mon cœur pour vous donner la connaissance pour que vous puissiez, ça puisse vous aider. Mais en vous abonnant, ça me stimule. Je me dis, bon, pourquoi je donne plus de secrets sur la chaîne Secrets pour les femmes? Parce que les femmes s'abonnent, les gens s'abonnent ici, mais si je constate que le taux d'abonnés augmente au niveau de la page Secrets pour les hommes, mais je vais vous donner des recettes. Peut-être que vous allez dire que ce n'est pas logique, c'est peut-être pas votre logique, mais c'est ma logique à moi, parce que moi je marche avec des forces spirituelles qui me guident, et je crois en eux, et ces forces-là m'ont jusqu'à maintenant jamais induit en erreur. Les gens qui induisent en erreur, les gens, ce sont l'être humain, l'homme, sans généraliser bien sûr. Donc, je vais vous parler d'une chose, avant tout, nous allons toujours continuer de niveau en niveau, le piment. Eh oui, le piment aussi, voilà notre problème, quelque chose qui amène problème dans notre foyer, le piment. Le piment, c'est encore un vrai, véritable problème. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on appelle ça superstition, ce n'est pas de la superstition, ce sont des faits. Ah oui, on dit la personne, elle est superstitieuse. Ce n'est pas une superstition. Ce sont des choses qui sont préétablies de plein de temps. Nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà préétabli. C'est comme si vous remettez le Créateur en question. Vous êtes qui? Nous sommes qui? Vous avez trouvé ça là depuis. Ce que nous pouvons remettre en question, c'est ce qui va à l'encontre pour notre existence. Nous pouvons remettre ça en question. Mais ce qui ne nous dérange pas pour notre existence, nous ne pouvons pas remettre ça en question. Là, il se passe beaucoup de problèmes à travers le monde, mais c'est l'humanité qu'il faut remettre en question. Vous vous dites, mais où allons-nous? C'est un désordre mondial qui est là. Nous sommes dans une sorte de tohu-bohu qui ne dit pas son nom, qui est sans précédent. Et ça va en empirant. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Donc, c'est ensemble. Pas seulement, il y a le côté tradition que je vous enseigne, mais il y a le côté aussi, il faut prendre son destin en main. Il ne faut pas rester là pour se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu trop de silence dans le continent africain. On veut votre bouche parler un peu, puisque vous savez parler. Les gens ont peur de parler pour dire que oui, on va nous emprisonner, mais on va nous tuer. Mon ami, vous êtes venu de ce monde, vous allez partir un jour, c'est forcé. Nous allons tous quitter ici un jour. Mais celui qui dit rien consent, ça veut dire que vous ne dites rien, vous êtes là en train de regarder, ça veut dire que vous êtes là. C'est toujours les autres qui doivent se sacrifier pour vous. Ça ne marche pas comme ça dans cette vie. Vous-même aussi, allez sur le front, parlez, dites ce que vous en pensez, donnez votre point de vue. À partir du moment que ça sera fondé sous des faits, ne parlez pas pour parler, parlez dans du concret. Et aussi, je vais profiter pour dire une chose.
Parce que j'ai vu quelque chose avant de vous détailler sur du piment. Mais je vais revenir. Je vais finir avec cette affaire de piment. Je vais faire une vidéo spécialement pour ce petit détail-là. Vous savez, le piment. Quand vous mangez du piment, vous préparez un repas qui a du piment. Si votre partenaire, peu importe, vous dit, je ne mange pas de piment, ne mettez pas de piment dans la nourriture. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est élément aussi qui amène destruction du couple. C'est garanti. Si celui qui ne mange pas de piment, ne mangez pas de piment à la maison. Vous pouvez manger un repas pimenté pour la personne qui mange du piment hors de chez vous. Mais ne faites pas cuire, ou bien même si vous n'avez pas fait cuire le repas avec du piment à la maison, mais le faites juste pour dire, bon, comme j'ai pas mis de piment dans la nourriture, mais sauf que bon, comme j'aime le piment, je prends un petit morceau de piment pour mettre dans mon repas, je le mange moi-même. Mais ce que vous avez oublié, vous mangez vous-même et vous dormez ensemble. Vous vous embrassez, non? Vous faites l'amour ensemble, non? Et les fuites, vous mettez ces fuites là où? Vous ne savez pas qu'il y a transmission de fuites, ça vous crée encore le problème. Mais hors de la maison, parce que la maison c'est un temple. Si les gens ne savent pas ça, une maison c'est un temple qui vous protège. Donc quand vous êtes hors de chez vous et vous avez décidé, ah tiens, j'ai envie de manger pimenté quand même, je vais vous expliquer comment faire. Pour les gens qui, c'est normal, je comprends, les gens aiment le piment et autres. Quand vous en mangez pimenté dehors et vous savez que vous allez rentrer chez vous, pour ne pas aller briser le temple qui est votre maison et aller briser votre foyer, si vous allez manger pimenté, vous allez chercher 3 verres d'eau. Donc vous pouvez avoir un seul verre, vous mettez de l'eau dedans, vous versez 3 gouttes d'eau en triangle par terre. Je ne vais pas énumérer les mots qu'il faut dire ici, mais faites le geste que je vous ai dit, vous versez 3 gouttes d'eau par terre et vous prenez un peu d'eau pour secouer une fois dans votre bouche. Vous dites, je brise le lien du piment qui pour ne pas venir détruire mon couple. Et vous crachez une fois par terre. Ou vous avez tracé le triangle en eau, vous crachez au milieu. Vous visez une deuxième fois, vous dites la même chose. Je brise le lien du piment pour ne pas venir gâter mon couple. Vous crachez 3 fois. Deuxième fois. Secouez encore 3e goutte d'eau. Vous crachez 3e fois. Le verre, vous le déposez. Et vous dites, celui qui touchera ce verre, il brisera le lien de la discorde qui risque de se produire chez moi. Très important. Ce sont des détails que personne ne vous donnera. Ça, c'est sûr. Faites ça. C'est le gardien de la tradition qui vous donne ce code. Écrivez tout. Gardez tout. Et nous allons monter de niveau en niveau. Soucieux. Que le Créateur et le mal de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et non-vie. N'oubliez pas, restons tous en vie.